Samedi 7 novembre 2020 de la 31e semaine du temps ordinaire. Les lectures de la messe. La lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens chapitre 4, les versets 10 à 19. Psaume 11, 111, 112. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc chapitre 16, les versets 9 à 15. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors: vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, la parole de Dieu n'est pas déconnectée de notre réel, de notre vie concrète. Nous en avons bon exemple ce matin, où Jésus nous appelle à ne pas faire de l'argent un Dieu. Comment nous situons-nous par rapport à l'argent? L'argent à tout prix et à tous les prix? Jésus ne condamne pas l'argent en lui-même, mais l'usage que nous en faisons. Nous savons tous qu'il est nécessaire pour vivre. Cependant, mal employé, l'argent peut engendrer l'aveuglement à ce qui est essentiel, les rapports humains fondés sur la fraternité et le respect de l'autre. L'argent dont nous disposons, et si nous l'utilisons à bon escient, peut devenir un excellent moyen de faire du bien autour de nous, et c'est en cela qu'il a de la valeur. Et il en va de même pour tous ceux qui nous aident, pour tout ce qui nous est confié, tout ce que Dieu nous donne. Sommes-nous dignes de sa confiance? Placer sa confiance en l'argent, c'est être trompeur. L'argent à tout prix et à tous les prix, voilà la cause des guerres, prostitution, exploitation dans notre monde. Que de couples, familles, relations sont détruits à cause de l'argent. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, Dieu libère, par contre, l'argent a servi. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Nous ne pouvons pas nous donner corps et âme à la fois à Dieu et à l'argent. Méfiez-vous, dit Jésus, de l'argent malhonnête. Et il ajoute: avec l'argent malhonnête, faites-vous des amis. Il s'agit là de ceux que nous aurons aidés en prenant leur défense, en faisant connaître leur sort, en luttant avec eux et pour eux. Je pense à tous ces sans-emploi ou qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie COVID-19. Je pense à ces sans-logis,
ces personnes isolées et fragiles de nos quartiers et nos voisinages. Il viendra un jour où l'argent ne sera plus là, mais ces personnes nous accueilleront. Faisons donc un bon placement de nos avoirs, source de bonheur partagé jusqu'à dans les demeures éternelles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.